On s'est rendu dans le Disneyland du taf, Turing 22. En gros, ici, le concept, c'est qu'il y a plus d'activités pour pas bosser que pour bosser. Genre, du café gratuit, du billard. Allez! Une salle de sport. Une salle de sieste. Des gens qui bossent, des gens qui font semblant de bosser. Alors tu fais quoi, tu bosses là ou... Ouais. Si t'es entrepreneur, que ton bureau ressemble à ça et que quand tu bosses de chez toi, t'es du genre à faire plein de trucs sauf travailler... Oh bah, je te propose Turing 22, un endroit pas dégueu où tu peux retrouver tout ce qu'il te faut pour être bien au travail. Non mais c'est abusé là. Ah. Et en décembre 2025, va naître le PIC. Au PIC, il y aura des bureaux privés, un food court, une cuisine, des salles de sieste, de réunions, de sport, de projection, des studios, vestiaires, jacuzzi, boulangerie, bar, espace beauté, bref, tout quoi. Un Turing 22, mais encore mieux. Eh ben, Turing, pour résumer, c'est un espace de coworking, où voilà, il y a plusieurs startups, plusieurs entreprises qui se retrouvent dans un même lieu de travail. Ce qui est super chouette ici à Turing, c'est l'idée de réseau, de communauté, de partage. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de bail, pas d'engagement. Voilà, c'est simple. L'utilisation, c'est complet. Et du coup, c'est pas trop la galère pour le parking, en fait, ici? Non, les gens se plaignent, mais regarde, il y a des places partout et tout. Tu sais que le premier parking a été ouvert à Chicago en 1918. Ah, c'est vraiment une anecdote qui sert peu. Exactement. Et le PIC réunira tout ça à partir de décembre 2025. C'est quand même mieux que de bosser dans ton salon tout flingué, hein. Et ouais. En vrai, de vrai,